Let's get the first people first. Here we go. I know. This is gonna hurt. New Jersey. Trudeau number one. Now I know how it feels to be on the losing end. At least it's a short week, Pat. I told you to go for me, it is. I don't know, for you it'll be a very long week, but objectively, it's a short week. Sure, turn around a little back. Comme je viens juste de dire, deux jours sur trois, je connais comment que ça sent être un perdant. Et donc, vous souhaitez un rematch? Est-ce que vous avez déjà lancé l'invitation à votre... J'ai déjà lancé l'invitation. Écoutez, vu que l'événement, c'était un grand succès, on a amassé presque 230 000 $. Je pense que ce serait une bonne chose d'avoir un combat revanche et essayer de doubler le montant pour l'année prochaine. Je pense que certainement, en étant le perdant du combat, ce serait un défi pour moi, mais je pense que ce serait une bonne chose si on pourrait avancer plus de fonds pour l'année prochaine. Acceptez-vous l'invitation? Malgré ma performance de samedi soir, je ne suis pas un boxeur, je suis un parlementaire. Je sers ma communauté, je sers au Parlement. J'ai pu mettre un petit crochet à côté, un gros crochet sur Pat, un petit crochet dans la case, faire un vrai combat de boxe. C'est fait, je ne ferai plus de combat de boxe comme ça. J'espère qu'il va continuer d'avoir des événements comme ça, qui vont aller avancer des fonds. Mais pour moi, vous aviez vu samedi soir mon premier et mon dernier combat. Moi, il a travaillé tellement beaucoup pour ça et je suis vraiment fière de lui. Lui, pas gagné la boxe, mais dans le côté de ramasser l'argent, c'est lui qui a gagné. Je suis très fier de ma victoire. Je suis très fier du courage que j'ai pu démontrer, mais aussi du courage que Patrick a démontré. Alors, en honneur de ça, de notre pari et de tout, Patrick est un homme de parole, mais moi je suis un homme qui respecte. J'ai perdu le combat de boxe. Je veux me faire couper les cheveux en honneur de ma mère parce qu'elle le mérite. Quand elle a perdu ses cheveux à cause du cancer, c'était rien comme comparé de ça ici aujourd'hui. Mais c'est sûr que je pense que le plus pire, c'est de porter ce chandail rouge ici aujourd'hui. Mais écoute, une gageure, c'est une gageure. Je suis une personne de parole et je vais faire ce que j'ai dit que j'étais pour faire. Est-ce qu'il y a un moment où vous pensez que vous allez perdre? Dans les premières secondes, il faut que j'avoue absolument que oui. J'ai eu un moment où je pensais que j'allais perdre, mais je me suis dit, peut-être que c'était pas une si bonne idée que ça d'être ici dans le ring. Parce qu'il frappait vraiment, vraiment fort et j'ai vu des étoiles. Et à un moment donné, mes genoux ont commencé à chambranler un petit peu. J'ai pu passer à travers et en plus, quand il me frappait, j'ai quand même pu répondre. J'ai continué de pouvoir bouger. J'ai pas eu de standing eight. T'sais, oui, j'ai reçu des bons coups, mais j'ai pu passer au-delà de ce moment-là et à partir de là, j'ai pu suivre mon plan de match. Qu'est-ce qui vous a permis de revenir si fort en deuxième round? La confiance qui m'a amené dans le ring à la première, dans la première place. Écoutez, je le savais que j'avais la forme physique pour le faire, je savais que j'avais le plan de match pour le faire, je savais que j'avais les coups pour probablement arrêter le combat à la troisième ronde. Merci tout le monde pour tout l'appui, pour toute la visibilité que vous avez donnée à la lutte contre le cancer et bonne journée tout le monde. Merci. Yeah, right here.
It's a small one, but it's a little mark of noble courage, I guess. My wife thinks it's hot, that's all. Okay, if that's how you feel. No pressure. Minister call you? The Prime Minister called me just a few hours before the bell, yes. To say? Good luck. Did he call after? No. I don't blame him. Hey, I look younger. There we go. Smell good. There you go. Thank you. Wait, can I keep that on actually? There you go. That's a new look.